Quelle belle nuit! Et personne n'est là pour voir ça. Ah, mais j'ai parlé trop vite. Hé, c'est Tyler. Et il est déguisé? Qu'est-ce que tu fais à l'atelier de peinture de Tom la veille de Noël? Et pourquoi es-tu déguisé comme le Grinch? J'espère que tu n'as pas l'intention de faire des bêtises. C'est Noël, Tyler. Admets-le, mais je te surveille. Oh, on dirait que le Père Noël est passé par là. Ah, bonsoir, Matt. Joyeux Noël. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu surveilles les cadeaux jusqu'à l'aube. C'est très gentil de ta part. Tu as raison. L'année dernière, Tyler a volé tous les cadeaux et c'était vraiment un... Attends, tu as dit Tyler? Qu'est-ce que c'est? Ok, Matt. Allons jeter un coup d'œil rapide, puis on revient ici tout de suite après. Nous sommes tout prêts. Qu'est-ce que tu as trouvé, Matt? Des haut-parleurs? C'est étrange. Qui les a mis ici? Oh non! C'est Tyler! Ça, c'est une situation difficile. Tu ne peux pas laisser le reste des cadeaux ici. Pourtant, nous devons arrêter Tyler. Excellente idée. Appelons Super Truck. Bonjour, Carl. Il n'est pas encore trop tard pour accrocher des décorations de Noël, on dirait. Eh bien, Car City a besoin de ton aide ce soir. Le Grinch, Tyler, a volé des cadeaux de Noël et on ne sait pas où il est maintenant. Encore lui, je sais. Tu sais exactement ce qu'il faut faire? Alors allons-y. Le traîneau. C'est bien ça. Incroyable. Tyler n'aura aucune chance. D'accord, allons au parc, Super Truck. Les enfants, qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez être au lit tous les deux. Ah, la musique de tout à l'heure vous a réveillé. Et vous venez de découvrir qu'il manque des cadeaux? Ça va aller, les enfants. Pourquoi ne lèveriez-vous pas les yeux pour voir qui vient par ici? Ce n'est pas le Père Noël, mais presque. D'accord, il est temps de sauver la veille de Noël. Par où allons-nous commencer? Bonne idée, Matt. Super Truck devrait survoler la ville pour repérer la cachette de Tyler. Ah, vous voulez aller avec Super Truck? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Très bien. Allons-y, les enfants. C'est Noël, après tout. D'accord? Prêt pour le décollage?
Aucune trace de Tyler, les enfants. Vous avez raison, il pourrait essayer de quitter la ville, mais toutes les routes sont complètement enneigées ce soir. C'est impossible. Oui, bébé Matt, il peut quitter Car City par la rivière. Dommage que tu ne t'es pas transformé en bateau, Super Truck. Ce n'est pas grave. Rendons-nous à la rivière, les amis. Il est là, vite! C'est fini, Tyler. Rends-nous les cadeaux de Noël. Ah, tu peux arrêter de cligner des yeux comme ça tout le temps, c'est agaçant. Oh oh. Ce n'est pas bon. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne traverse le tunnel, sinon nous allons le perdre pour de bon. Super Truck, les enfants te demandent de voler le plus près possible de Tyler. Ah, je vois ce qui se passe. Pas mal, bébé Tom. Incroyable! Tu feras mieux l'année prochaine, Tyler. Bravo tout le monde. Nous avons eu de la chance de vous avoir avec vous, les enfants. Joyeux Noël à vous, les amis. À bientôt. Bonjour, Flavie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas chercher de la peinture parce que Tom est à court de peinture? Mais pourquoi avez-vous besoin de peinture? Pour peindre des citrouilles pour le festival d'Halloween de Car City? Vous avez épuisé toute la peinture pour les déguisements des festivaliers? Ce n'est pas bon pour le festival. Tu dois trouver de la peinture pour peindre les citrouilles. Demandons l'aide de Super Truck. Carl, Flavie est à court de peinture pour les citrouilles du festival d'Halloween. Et ton aide nous serait bien utile. En quel véhicule vas-tu te transformer? Un tank à peinture? C'est génial! Excellent, Super Truck, tu es enfin prêt pour aller aider Flavie. Allons-y.
Super Truc est là, Flavie. Il s'est transformé en tank à peinture. Donnons-leur la peinture pour peindre les citrouilles, Super Truc. C'est génial, Super Truck. Oh, regarde toute cette peinture. As-tu aussi des pinceaux? Flavie, ton plateau va servir pour garder les citrouilles. Super Truck, tu aurais un modèle pour faire un exemple? Tu as peint un chat noir sur la citrouille. Incroyable. Je pense qu'ils veulent aussi peindre. Tout le monde s'amuse bien. Merci, Super Truck. Tu veux aussi être peinte, bébé Pickle? Tu es maintenant une citrouille, bébé Pickle. Encore merci, Super Truck. Et le beau. Au revoir, les amis. À la prochaine. Bonjour, tu fais le plein? Dis, Ethan, tu ne serais pas en retard pour ton travail au chantier? Attends, tu as oublié? Oh non! Ouh là là, quel gâchis! Qu'allons-nous faire? Ne t'en fais pas, c'était un accident, Ethan. Excellente idée, Suzy. Super Truck va nous aider à régler ce problème. Envoie-lui le signal! Regarde, Carl, c'est le signal, les feux d'artifice. Tu ferais mieux de te dépêcher. Quelqu'un a besoin de toi, Super Truck. Waouh, Carl, quelle transformation! Tu es un camion-citerne!
Oh, Dieu merci, tu es là. Du carburant s'est répandu et nous ne savons pas quoi faire. Éteindre la pompe. Excellente idée, Super Truck. Maintenant, Ethan, est-ce que tu peux déverser le sable de ta pelle sur le carburant? Excellent travail. Le sable va absorber le carburant et l'empêchera de se propager. Et maintenant, bien sûr, ton tuyau. Tu peux l'utiliser pour aspirer le sable. Très futé. Voyons ça. Waouh ! Tout est parti ! Mais que vas-tu faire avec tout le sable ? Ah, excellente idée! Tu dois éliminer tout ça en sécurité au chantier. À la prochaine! Bon travail, Super Truck! Tu as encore sauvé la situation. Eh, tu as raison. Je ne sais pas où est passé Super Truck. Au revoir, Suzy. Au revoir, les amis. À bientôt. Bonjour, les enfants. Il est temps de montrer à Car City vos talents de cascadeur. Bébé Amber et bébé Francis, est-ce que vous êtes prêts à faire vos cascades? Super. D'accord, bébé Amber, tu passes en premier. À vos marques. Prêt? Partez! Waouh, bébé Amber! C'était très impressionnant. D'accord, bébé Francis. Es-tu prêt à faire ta première cascade? Ok. Prends ton temps et lance-toi, bébé Francis. Oh non! Francis! Nous avons besoin d'aide rapidement avant que bébé Francis ne tombe à l'eau. Bébé Francis, tu sais nager? Bonne idée, bébé Amber. Allons chercher Super Truck et vite! Carl, il faut que tu viennes, et rapidement. Bébé Francis a essayé de faire une cascade, et maintenant il pourrait tomber dans la rivière. D'accord, allons-y. À la cave. Quelle transformation pourrait empêcher bébé Francis de tomber dans l'eau? C'est une excellente idée, Carl. La transformation en aéroglisseur te permettra d'attraper bébé Francis par-dessous.
D'accord, Super Truck. Allons sauver bébé Francis. J'espère vraiment que bébé Francis est toujours accroché à la rampe. Allons-y, Super Truck. Tiens bon, bébé Francis. Super Truck est là pour te sauver. Oh non, Super Truck! La rampe est en train de se casser. Il faut dégager bébé Francis de là, maintenant. Ok, bébé Francis, tu vas devoir lâcher la rampe. C'est bon, bébé Francis. Super Truck est juste en dessous, il va t'attraper. Bébé Francis, nous n'avons plus beaucoup de temps. Tu dois sauter. Est-ce que ça va, bébé Francis? Dieu merci. Et bravo, Super Truck. Bravo aussi, bébé Francis. Tu as été très courageux. Je crois que c'était la meilleure cascade que Car City ait jamais vue. N'est-ce pas, les enfants? À la prochaine, les amis.